En ce printemps 89, la tension est déjà très forte depuis plusieurs mois. Après un long conflit chez les postiers et dans les organismes sociaux, c'est bientôt toute la fonction publique qui s'embrase. Réclamée depuis plusieurs années, la prime d'insularité devient une nécessité impérieuse. La prime d'insularité, c'est une indemnité compensatrice de vie chère. Nous, ce que nous voulons, ce sont des mesures concrètes, immédiates, pour compenser la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Oui, la vie est plus chère en Corse, 15% de plus que sur le continent, et c'est l'INSEE qui le dit. Emmené par la CGT Force Ouvrière, l'intersyndicale, sans le STC, qui réclame une solution globale aux côtés des socioprofessionnels, l'intersyndicale, donc, ne lâchera pas. Des milliards ont été donnés aux hôteliers. Des cadeaux sont faits aux transporteurs. Cela veut dire que lorsqu'il y a une volonté politique pour trouver de l'argent, on en trouve. Mais Paris reste sourd aux revendications. Occupé exclusivement par la question nationaliste, en haut lieu, on espère un pourrissement du conflit. Et puis, si on donne aux Corses, d'autres régions vont suivre. Les négociations échouent et à la fin du mois de mars, la situation dégénère. Les ports et aéroports de l'île sont bloqués. Avec le blocus, il n'y a plus rien dans les magasins. Plus de 10 000 personnes déferlent dans les rues, du jamais vu depuis la libération. Le STC rejoint le mouvement. Pierre Jox, en charge du dossier Corse, est mis à l'écart. Michel Rocard, Premier ministre, prend la main. Il nomme un médiateur, Michel Prada. Après quelques tables rondes, l'attribution d'une indemnité de transport est accordée le 2 mai. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'attribution de cette prime de transport. La radiographie sur la circulation de l'argent sera vraisemblablement douloureuse. Elle sera faite. La seule condition qui est mise, c'est qu'on puisse travailler. Chaque fonctionnaire corse percevra une prime de 2400 francs par an, bien au-dessous de ce que les syndicats demandaient. Il faudra attendre le conflit de 95 pour une revalorisation de la prime, mais 30 ans plus tard, la question du coût de la vie est tout aussi aiguë, voire plus.